Hello tout le monde, donc c'est parti pour un petit cours français cette fois-ci avec le morceau Rosie de Francis Cabrel. Donc rien de bien compliqué. Savoir une petite astuce quand même que les accords sont toujours avec les deux cordes si et mi à vide. À part le tout dernier 6-7, tous les autres accords qui ont des noms parfois barbares, comme un La suspendu 2, un Si suspendu 4, un Do dièse mineur. Tous ces accords sont joués avec les cordes si et mi à vide. On va faire un état des lieux des accords dont on a besoin. Donc on a besoin d'un mi. Après, allez, le suspendu 4, je vous rappelle, on utilise le petit doigt, l'auriculaire pour les initier. On casse deux cordes de sol et on basculera du mi majeur au suspendu 4 avant de revenir au mi majeur. On a besoin d'un la suspendu 2, donc on a juste deux doigts posés. Ça nous fait 0 en partant de la corde là, 0, 2, 2, 0, 0. Ok, on aura besoin d'un Si suspendu 4. On a, ça ressemble à un Si mineur, mais on relève le doigt pour laisser les deux cordes à vide. Si et mi encore à vide, donc ça fait partant de la corde de là, 2, 4, 4, 0, 0. Donc ça, c'est le Si suspendu 4. Un peu plus loin, on aura un Do dièse mineur qui se fait initialement comme ça, mais qu'on va faire de cette façon. Donc l'index vient juste choper la corde de La en case 4, 4, 6, 6, 0, 0. Et le seul accord qui est en véritable barré, c'est le 6, 7 qui sera un Si. Donc pareil, je le dis en numéro de case, 2 sur la deuxième corde. Bien sûr, 2, 4, 2, 4, 2. Ok, donc là vous avez tous les accords du morceau, a priori je n'en ai pas oublié. Il y aura une montée de basse avant d'aller au refrain. Quand il fait le couplet qui passe au refrain, il va faire Mi, Fa dièse, Sol dièse. On peut jouer en tierce, très classique, enfin on verra. La version light, c'est 0, 2, 4 sur l'accord grave. Ou Mi, Fa dièse, Sol dièse, pour ceux qui connaissent les notes. Maintenant, passons au travail main droite. C'est courant chez Francis Cabrel, des rythmiques où il étouffe les cordes en mettant quelques accents. Donc on voit, je fais tous les coups vers le bas. Normalement, si on est en croche, on devrait y avoir 8 croches, mais moi je vous conseille d'en faire que 7, histoire d'avoir un demi-temps pour changer d'accord. Donc, si je prends le couplet, ça nous fait un mi majeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 7e croche, je fais une noire en fait. Pour faire suspendu 4. 1. Si je compte les temps, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Après le mi, il est tout seul. Donc ça nous fait mi majeur 3 temps, le suspendu 4 sur le 4e temps, et après une mesure entière de mi, soit 1, 2, 3, 4. Je refais une fois. La main droite posée au niveau du chevalet. Je joue plutôt avec les doigts qu'avec la main, sinon ça enlève la tranche de la main. Ça fait ça. Le dernier temps, je libère la main pour le suspendu 4 et pour le mi majeur. Donc maintenant, je vais jouer la grille dans son intégralité. Donc il va y avoir mi, la suspendu 2, si suspendu 4 dans une demi-mesure et on reprendra le plan de l'intro. Je vous découpe les 4 premières mesures du couplet. Mesure, les 4 suivantes. On continue, troisième partie du couplet. Fin du couplet.
couplet, j'ai fait Mi majeur, La suspendu 2, Si suspendu 4 dans la même mesure. Le Si suspendu 4, c'est pas, cette mesure elle n'est pas partagée 2 et 2, elle est partagée ainsi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1, 2, 3, la levée du deuxième temps, levée du 2 comme je dis. 1, 2, pour placer le Si suspendu 4. Donc 1, 2, d'accord? Et j'ai fini le Mi. Donc ce dernier Mi, il est remplacé par ça si on doit aller au refrain. Je vous fais la mesure, les deux dernières mesures du couplet si on doit aller au refrain. Donc j'ai quand même fait un Mi. Ok? Et j'ai fait. On est tout en noir, le Mi. Premier temps. Deuxième temps, basse Mi, Fa dièse. Troisième temps, quatrième temps, Sol dièse. Ok? On a fini le couplet. Je vous le rejoins en entier.